allez, allez. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo tant attendue des championnats de France de duathlon, donc à Mâcon le 7 avril 2024. C'est assez pratique parce que j'ai pu dormir chez moi le samedi soir et me lever un peu plus tard le dimanche car en fait j'habite à 15 minutes de Mâcon, donc forcément ça aide un peu. Et on salue la France encore, le maillot en ligne et ça va continuer, on aura ce rendu 10 sur les retours. Découverte de dernière minute, alors que je préparais mes affaires, je me rends compte que j'ai oublié ma paire de chaussures carbone, donc on est en train d'en racheter en vitesse au magasin partenaire. C'est bon, le coup de stress est passé, j'ai pu mettre mes affaires tranquillement dans le parc à vélo et commencer à m'échauffer. On est sur un format de course distance S, donc c'est 5 km de course à pied, 20 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Je suis dossard numéro 15, donc je me situe relativement dans les premières positions dans la chambre d'appel. Allez, on vous rappelle que les canettes sont invitées à vider les emplacements dans l'air de condition. Merci. Le trissage, le 52 Gabriel Denis pour la Roche-Vendée Triathlon, 53 Axel Horizon pour Antoine Triathlon Club. Bon, la course à pied est passée, mais j'ai eu quelques soucis niveau mental. Je me suis un petit peu auto-bridé, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi, il n'y a pas trop d'explications claires là-dessus, mais j'ai pas. Comme si je ne voulais pas essayer de suivre le groupe de tête, je n'ai même pas essayé. Donc j'en paye les frais, hein. Je suis dans les dernières places. Mais on va essayer de faire un gros vélo pour pouvoir s'économiser et essayer de remonter le plus de gens à pied. Ah, je commence tout de même à sentir une petite douleur au mollet gauche, je commence un petit peu à lâcher les roues, j'espère pouvoir relancer pour revenir sur eux. Voilà, donc là je suis complètement lâché, mais je vais essayer de donner le max pour re-rentrer dans les roues et revenir dans la course. Allez Dupont, ça va passer, allez. Ça va passer, allez, allez, allez. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller.
Ouais, donc j'ai été victime d'une bonne grosse contracture, ce qui m'a fait complètement lâcher le groupe devant et perdre beaucoup de temps. Donc c'était le dernier tour, donc je la rentre dans le parc, mais il reste une course à pied, il reste 2,5 km, je vais finir avec ce qui reste mentalement et physiquement. Voilà, donc c'est comme ça que se termine cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs je suis encore navré de la sortir aussi tard, mais j'avais pas trop la tête à ça en ce moment. J'étais un petit peu occupé par d'autres éléments. Donc je la sors maintenant, c'est un peu tard je sais, mais je vais me rattraper avec d'autres vidéos qui sortiront cette fois-ci très vite, très bientôt. Et j'espère qu'elles vous plairont d'ailleurs, car à partir de maintenant je vais un peu plus m'investir dans les vidéos. Et pour résumer un petit peu cette course, je suis évidemment déçu, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même niveau mental et physique. Donc je suis tout de même content de l'avoir fait. Je dirais pas que c'est une course à oublier, je dirais que c'est une course à comprendre et à interpréter. Maintenant oui, j'ai eu des galères mentales sur la première course à pied, physique sur le vélo et mentale sur la deuxième course à pied. Donc le résultat est vraiment mauvais, mais au moins ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses que j'ai réussi à régler plus tard. Donc je suis tout de même assez content. C'est le début de l'été, donc je vais faire pas mal de vidéos aussi sur peut-être les entraînements. Et des petites vidéos comme ça, concept, je sais pas encore, je verrai. J'ai envie de faire peut-être autre chose que juste les compètes. Donc ce sera les entraînements et peut-être d'autres concepts de vidéos. Je verrai très bien. Et je vous dis rien de plus. Allez, à plus.